cabochons sont devenus de vrais compagnons depuis que le père Louis s'est cassé la jambe. Et Martine en voisine s'est occupée de l'âne, lui faisant la cuisine à la ferme dans une étable. Martine et l'âne cabochon ont vu biquetter les moutons, mais cabochon faisait la mauvaise tête. Refusant de déjeuner, soudain il a fait tomber la bicyclette neuve du fermier. Ian, Ian, Ian faisait ce pauvre cabochon. Ian, Ian, Ian dans l'herbage après les moutons. Mais une vilaine guêpe est venue pour le piquer. Alors baissant la tête d'un coup de queue, il l'a chassé. Martine et l'âne cabochon entendirent crier nom de nom par le fermier qui s'est mis en colère. Et cabochon par terre, faisant la sourde oreille, pleurait comme une gouttière d'une tristesse sans pareille. Martine et l'âne cabochon pour le père Louis ont eu raison de monter un beau numéro de danse. Se dressant sur ses pattes, cabochon nous épate en se conduisant comme un grand garçon. Ian, 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 content est notre cabochon. Ian, 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 sur les chemins comme un patron. Il tire une charrette pour revenir à la maison où le père Louis s'inquiète pour ce petit polisson. Sur ses pattes, cabochon nous épate en se conduisant comme un grand garçon. Se dressant sur ses pattes, cabochon nous épate en se conduisant comme un grand garçon. En se conduisant comme